Yo, what's up, it's me, the doll beauty. Aujourd'hui, vous allez passer 4 jours avec moi pendant lesquels on va préparer des gâteaux, se pomponner et tout préparer pour l'Aïd. Prêt? Let's go! Yo, what's up? Aujourd'hui, on est jeudi et on est peut-être à 2 jours, on sait pas encore, 2 jours de l'Aïd. Aujourd'hui, avec ma mère, on va s'occuper des premiers gâteaux à faire. Du coup, on va vite finir ça avant que je prépare le ftor. En vrai, ça va, hein. Il est 3h. Donc attendez, on va aller voir. Merde, Adol. Mamie. Hi. On va faire quoi aujourd'hui? Comme gâteau. Bakalawa. C'est tout? Pour le moment, bakalawa. Maintenant, on verra peut-être on dira le qatifa. Halout le qatifa. Tu peux aider à quelque chose? Pour le moment, on va déterrer le cocaïque. Il est pas de problème. Merci, Marwa. Je fais un vlog. Mais j'ai l'impression de servir à rien, je fais quoi? واحد ديريتي ديال انا هاكي غراف خصك يديك بسم الله هاي فوالا ديريها في اون دو بسم الله كسليها كسليها مليح عطا ام جنن كسليها كي خايفه مي وي مي فرير تي ممكن كسلي كومون طيب هاكا كسميها لي غير بوليات بوليات هي ثلاثه فوالا جيتي سوبجيكي بار لو في كو جو بروغريس تري تري فيت وي سو فوا نا ريان اتير هاي سما الجعجينه تاع البقلاوه وخرتيها من الطريق Après avoir grillé les cacahuètes, il faut les mixer et avoir des petits morceaux concassés. Ça me rappelle trop mes cours de chimie. Ok, c'est bon. Il faut arriver à 500. Ah non. Oh my god. Ok, ok, ok. Yay! Vraiment, on s'amuse comme des fous. Là, ça va, là. Oh, elle est toute sale. Je suis trop trop. Oui. The water, aïe, seconde. Oh, pépite tellement mignonne. Aïe, dis le seconde. Ça, ça. Un peu de sucre. Ça détend. D'accord, les seconde, on fait ça. Ça, et tral, ça. Écoute, on est là pour passer un bon moment. D'accord, les mliers. Ça, et tral, subhanallah. Ça, et tral. Oui, mais je fais le seconde. Ça, et tral. Petite bouteille d'alcool. Bref, donc avec la fleur d'oranger, c'est vraiment à l'œil, il n'y a pas vraiment de grammage. Vous en ajoutez jusqu'à ce que ça forme une pâte, ni trop sèche, ni trop mouillée. Oh, j'ai tellement envie de manger ça! Allô? On va ensuite couper des petits morceaux en forme de losange, ça peut être aussi en carré. Et surtout, n'oubliez pas de napper avec du beurre. I'm back. Là, la baklawa a fini de cuire, comme vous pouvez voir. On va lui mettre du miel froid. Elle vient à peine de sortir du four. Comme ça, elle va avoir le temps d'absorber. Elle sera moelleuse, mielleuse. Katefa. Il faut commencer par battre le beurre avec le sucre glace et ajouter la farine petit à petit. Dis-nous, merde Adol, quel est le prochain ingrédient? La farine et la levure. Non, viens. Ça y est, non, il faut parce qu'on fait de l'huile, il faut que dans le bain, il faut faire du zit. Tu as bien, je te fais un zit. Écoutez, on est là pour aider. Aider les chiens. Aider. On t'a dit, je fais votre fille dire. Il y a des rois, 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 il y a des rois. C'est pas la peine. Regardez-moi cette merveille! Incroyable! C'est bon? Ouais! Attends, mais j'ai pas d'ongles! Maintenant que votre pâte est assez ferme, il faut la pétrir. On y met toutes ses portes. Incroyable! Il faut maintenant la mettre dans un sachet et attendre qu'elle se raffermisse pour la travailler. Hey, welcome in the Doll Beauty's kitchen. T'es prête? Cute. Elles sont trop bien.
Oh, I can't. Donc pour l'instant, on a fait la pâte à ratifa, on a fait la baklawa. Je vais aller faire ftour parce que mes cousins vont pas tarder à venir. Ok. Ok. See you. Bye. Bonjour mon chat. Tu penses que l'Aïd c'est demain mon chat ou dimanche? Ok. Aïe. Bonjour. Je suis grasse, non? Donc ce soir c'est... Je sais même pas pourquoi je suis en train de vous parler, je suis trop chum. On va faire avec. Ce soir c'est Laylat el-Chek, donc la nuit du doute. Et c'est ce soir en fait où on va savoir si c'est demain l'Aïd ou si c'est dimanche. Moi j'aimerais bien que ce soit demain. Comme ça je peux faire le montage et publier la vidéo dimanche. Question de logistique, tu vois. Quand j'aurai quelque chose de plus intéressant à vous montrer, je vous recheckerai. See ya. Donc là on prépare la noix de coco d'un côté et la crème au beurre de l'autre. Une pincée de sel, de la vanille, un verre de sucre glace et 125 g de beurre. Maintenant on va assembler. Go. Regardez-moi ça! Cute! Évidemment, je me suis gardé genre 2-3. Comme ça, je pourrais les manger plus tard. C'est la torture, je veux juste la torture. On fait quoi maintenant, maman? Bon, bah, apparemment, il faudra se reposer. Non, en fait, on n'a pas fini. On va faire un chouk. C'est parti, je passe ma vie dans des gâteaux. On malaxe bien le sucre glace avec le beurre, avec la main. Et il faut qu'il n'y ait aucun morceau, vraiment aucun, avant d'ajouter les cacahuètes. Ça doit donc former une petite crème. Et ensuite, on commence petit à petit à rajouter la farine pour former donc une pâte. Ok, pâte. Il faut que je rentre. Il y a 20 grammes. Regardez le sucre nous, non ? Mais toi, tu veux faire 30, je sais pas pourquoi. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre dans du blanc d'œuf et ensuite les mettre dans n'importe quel truc que vous voulez. Donc, ça peut être noix de coco, cacahuètes, amandes, figuier, whatever. Et ça doit donner quelque chose comme ça. Ok, j'ai eu bon enfant. Mm-hmm. Soyez productifs, s'il vous plaît. Il faut des caissettes là. Ça vient à peine de sortir du four, on rajoute du miel et ça va tout absorber et ça va crépiter, ça va être trop bon. Vous pouvez ensuite ajouter votre petite décoration. Le ramadan se finit demain. T'es triste maman? Pourquoi? Que quand même c'est la fin du ramadan. كل عام وحنايا بخير ان شاء الله الله يقبل دار الله يرجع ربي قبل منا هذا ما نقول تابو انا ما عاد الحياه دي بولاك دا فلفل العيد سي ديمانش اون ا انكور دومان بو بريباري توت لا ميزون باسكو اجوردي اون ايتي كريفي اون ا تيلمون دو تروك ا فير دونك جو بونس كو توت سيل اي سو كي اه دونك اون انجوي لا لايف سان موا كوا مي سي با غراف علي كومبل كو ميم طون كو ها شوفي ها كتر خيركم شوف انا كتر خيركم اي بي دو كو اتوني فو مونتر. Ma mère a ramené une petite assiette avec les gâteaux qu'on a préparés ces deux derniers jours pour goûter si ça nous va ou pas. Et si ça nous va pas, on fait comment? Bah on les garde comme ça. Ok, dégustation de la baklawa. Elle est trop bonne. Elle est incroyable. Allez, première étape. Validée. Deuxième. Oui, top chef. Philippe, tu bestes, bonjour. Deuxième, mshawak. Mshawak, c'est vraiment la base. Le corps de taha, il est fondant. Il est chef, maman. Moi, je te le dis. Mais tu as dit que tu as fait ça. Enfin, on fait là. Dernière dégustation, ratefa. Waouh, une merveille. La présentation, déjà,
Sur 5, je mettrais 4,5. Oui, mais normalement, un gâteau pas, c'est un cœur. Non, c'est un cœur parce que tu as vu dans la vidéo YouTube que mais c'est toi qui a dit que le gâteau pas, normalement, pour nous, c'est cœur. Mais je vais te. Là, tu sens vraiment la noix de coco avec la confiture. Et vu que moi, j'aime pas énormément la noix de coco. D'où les lignes. Non, là, c'est extrêmement bon. Il doux. Ah oui. Il doux. C'est fondant, ça. Ah, on. Réussi. D'ailleurs, demain, il ne reste que Benny Wen à faire. On a un peu la flemme, non? Tu veux autre chose? Ça y est. Ou un almanac à l'autre. Ou t'as les cœurs en chocolat. J'ai eu. J'ai eu tout le monde à ta chère. Ou un autre à côté du citron. T'as déjà payé. On a 7 gâteaux. 7 types de gâteaux pour 2 personnes. On fait quoi là? On va dormir. Ben oui. On va dormir. Dernier soir demain. Inch'Allah, Inch'Allah. Et dernière journée de Ramadan. Hey. Il est actuellement 20h02. Elle est pas trop belle ma coque, j'adore. Mais aujourd'hui ma mère et moi on a été KO. Je n'ai jamais eu un dernier jour du Ramadan aussi KO. Et en plus on avait trop de trucs à faire. On a fait un Benny Wen, c'est la première fois qu'on le fait. Donc je vous ai pas trop fait la recette. Bon, parce que bon, les recettes, je pense que vous allez pas voir que ça dans cette vidéo. À un moment donné ça suffit. Honnêtement je peux pas vous proposer quelque chose que je sais pas si c'est bon ou pas. Qu'on fasse le ménage, qu'on change la déco du salon, qu'on fasse une petite beauty routine. Et voilà quoi. Donc bon, allez, un petit peu d'entrain. J'ai assez blablaté. Je m'en vais à mon store et je vous retrouve ce soir. Ça a tout coup. Hey. J'ai les cheveux gras comme jamais. Bon, on va s'habituer, hein. Mais vous voyez ce qu'il y a derrière moi? Il faut que je change les rideaux, la fraîcha. On change les coussins. Et on change les coussins. Par contre, là, tout de suite, j'ai du montage, hein, parce que un peu la flemme. 3, 2, 1. Je suis au bout de ma life. Est-ce que vous voyez la transpiration là? Oh, c'est blanc, c'est violet. It's amazing. Il me reste quoi faire? J'aimerais bien prendre une douche, accessoirement. Ah, demain c'est light. Ah, à demain. Aïd, mon bac. T'aïd, ou t'aïd, ou inchallah, mami. ما تغفلناش. اوه عيدك مبروك. كل عام وانتي بخير ان شاء الله. العام الجاي تكوني خير من السنه. صاي غير ربعه اكتوبر هذه ستة عليها راني غادي نهرب. ما خويتي. اي ما تخوفيل. اونكور اونكور. تبارك لا روب دو ماما. ما هضري بيا. تفضلي تفضلي. سلمك اختي ربي يخليك ربي يخليك. سمعي. تدملوا الواحد من عندك. ما عاودتك تجمعي. شو بيجو كيس قهوه كيس ما كيس شويه كاطو والو. طون جو في تفير ان اسورتيمون. لا 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 عطيني غير فنجان. لا لا والله ندير لك اسورتيمون. ما تحتموش على الواحد عطونا غير فنجان قهوه. لا نعطيك اسورتيمون بالسيف عليك. ميرسي عليك ميرسي عليك. T'es trop belle, genre t'es grave assortie. Merci, merci. Portez des masques, prenez soin de vous, et كل عام وانتم بخير, et Rabbi subhanahu معانا. كل عام وانتم بخير. Bye bye.